Good morgen, alle Iden, le tu seras aujourd'hui le Lonnie Schmat. Amo, Miona, Ben Chana, Peggy, Batester, Zarabat, Mazal Tov, Chisportich, Simon, Bat, Lonnie, Michel, Novikov, aussi deux fois, Trout, Bat, Claudine, Traina, Betor, Chakon, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider nos prochaines études de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Chubot, Perek, Bet, Mishnah, Dalet. Ve Eizohi, Mizvat, Asse, Shebanida, Shechayavin, Alea, Haya, Meshamesh, Imatehora, Ve Amra, Lonit, Meti, Uperash, Miyad, Chayav, Mipnei, Sheyetziato, Analo, Kebiato. Avant d'aborder la Mishnah de front, on va d'abord rappeler une notion qu'on a introduite dans la Mishnah précédente, la notion du par elem d'Abar Hashem Tzibur. Succinctement, lorsque, à titre individuel, je transgresse une avéra qui est un lota assez de la Torah, un interdit explicite, sur lequel on est passible bémézid, lorsqu'on transgresse consciemment, un chiouv karet, une condamnation de retranchement par le ciel, mourir avant 50 ans et tout ça. Si je transgresse cette avéra, quelqu'un transgresse cette avéra beshogeg, par erreur, inadvertance, par oubli, alors il sera passible d'amener un korban khatat. C'est le cas par exemple de celui qui transgresse Shabbat. Il se trompe, il transgresse Shabbat, il oublie que c'était interdit d'essorer un chiffon en tissu, donc il a essuyé sa table, il a essoré le chiffon pour le laver, il a transgressé l'interdit de mechabes. Il ne savait pas que c'était interdit de faire une chose pareille. Et bien quand il apprendra cette erreur, et eh bien il devra apporter un korban khatat, d'accord, à titre individuel. Si toutefois le bet din se trompe et permet au peuple de faire cette action, ils vont dire non, essorer le linge, c'est pas, il n'y a pas d'interdit de khatat. Si on se salue le Shabbat, on a le droit de prendre de l'eau et de mettre sur le vêtement. Il n'y a pas d'interdit en cela. Le bet din se trompe. Et la majorité du Ham Israël se trompe et transgresse cette faute. Alors là, on ne dira pas que chacun devra apporter individuellement un korban khatat, mais cette fois-ci, la faute elle a pris une ampleur tellement grande que cette fois-ci, ce sera le Sanhedrin de Yerushalayim qui devra lui-même se charger d'apporter un korban particulier, ce qu'on appelle le par helem davar shel tzibur. Apporter un par, un taureau, comme para, le par, c'est le mari de le taureau. Helem davar shel par, helem davar shel tzibur. Le taureau qu'on apporte lorsqu'il y a eu un helem davar shel tzibur. Lorsque le public entier a oublié une chose, par la faute du Bet Din, un korban très particulier, il faudra les jeter, asperger de son sang à l'intérieur du Kodesh, pas du Kodesh à Kodesh, mais à l'intérieur du Echal, sur la parochette, un korban très spécial. D'accord, c'est le parallèle d'Avash Mitzibor. Dans la Mishnah précédente, on évoquait ce korban pour nous dire que un cas particulier, que si le Bet Din se trompe en prescrivant au Ham Israël de sortir par le chemin le plus long de la Hazara, parce que l'essentiel c'est de sortir vite, même si c'est plus long, parce qu'au moins ça prendra moins de temps, par exemple, l'autre sortie elle est un peu plus étroite, il y a plus de monde. Si le Bedin se trompe, par exemple, sur un alara pareil, et que tout le peuple d'Israël, tout le Ham Israël transgresse à cause du Bedin, malgré tout, on apprenait dans le Mishnah précédent qu'ils ne devront pas apporter un parallèle d'Avash Tzibur, étant donné qu'il s'agit d'un korban khatat, olev et yored. Quelque chose de particulier, c'est qu'on parlait d'une mitzvat assez. Parce que le devoir du Bet Din, là-haut, dans la mission précédente, c'était une misate assez de renvoyer du campement ou de l'habitation du Ham Israël, du Bet Amikdash, de renvoyer tous les hommes impurs. Mais c'est une misate assez qui entraîne une transgression du Lota assez, d'entrer vers l'Amikdash Loyavo, et d'interdire d'entrer au Bet Amikdash alors qu'on est impur. Malgré tout, il ne fallait pas apporter de Korban Khatat. Ça, c'était la Korban Parallèle d'Avraham Tzibor. Ça, c'était la mission précédente. C'est juste pour expliquer en quoi notre Mishnah maintenant se rattache à ça. Parce qu'on va en fait parler du Mishnah qui est complètement hors sujet par rapport à Shavuot. C'est une Mishnah qui concerne plutôt l'Ilchot Nida. En apprenant à présent qu'il y a une mitzvah assez particulière dans la Nida, la femme menstruée qui a ses règles. Une mitzvah particulière où si le Bet Din se trompe en ordonnant, en se trompant, donc en prescrivant à Israël de faire une certaine action, de permettre une certaine forme de relation alors qu'elle était en réalité foncièrement interdite, même s'ils vont se tromper en réalité que sur une mitzvah assez. Mais puisque la conséquence va être qu'un homme va avoir un rapport avec une femme nida, qui est formellement interdite, d'accord, comme on apprend dans Parashat Kedushim, Elisha ben nida tumata lo tikrav, je crois que c'est écrit, alors, puisqu'on transgresse maintenant un grave interdit à cause du Bet Din, alors le Bet Din devra apporter son parallèle de Parashat Tzibur, d'accord, c'est juste. C'est vrai. Ce que j'ai allongé pour ça uniquement pour expliquer là en quoi notre Mishnah se rattache à la Mishnah précédente. Regardez, il a écrit Ezoi Mizatase Sheba Mikdash Anchayavin Alea. C'était la Mishnah précédente. Et maintenant commence
Quelle est donc la mitzvah assez de la Nida, qu'il y a juste une mitzvah assez, ouais, de la Nida, chez Chayavin Alea, sur laquelle on est passible, malgré tout, d'amener un korban khatat ou un parélem de Vachak Tzibour si on s'est trompé à cause du Bet Din Agadol. Comment ça? Quel est le cas? Regardez, un cas très délicat. Haya Meshamesh Imateura. Un homme était avec sa femme. Meshamesh, Tashmishamita. D'accord? Il était avec sa femme qui était Teora, elle était pure. Et voilà que, en plein milieu, Ve'amralo Nitmeti. La femme lui dit en plein milieu, oui, oui, ça démarre. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Tzadik. Qu'est-ce qu'il fait? Opérech Miyad. Il se retire tout de suite. Vous allez me dire, c'est un grand tzadik, il a fumé la vera tout de suite. Et bien regardez, Chayav, il est Chayav. Il est Chayav d'apporter un korban khatat à titre individuel. Et donc si c'est le public entier qui se trompe à cause du Bedin qui a donné cette erreur, qui a prescrit cette halakha par erreur, alors le Bedin sera Chayav d'apporter. Pourquoi? Car le fait de sortir est en soi-même un profit au même titre de celui qui pénètre. D'accord? Soit, on explique un petit peu mieux, c'est un peu délicat de présenter des shurim aussi précis, mais en tout cas, très rapidement, l'homme entretient un rapport avec sa femme. Au moment où il est avec sa femme, si chas shalom, elle est poreset nida. Pitom, elle a une nida. D'abord, il y a en cela pas forcément d'interdit. Dans la mesure où il n'a pas eu de rapport avec elle un jour où elle était censée avoir son V7, avoir son cycle qui va démarrer, le jour de la onat à V7, ouais, tous les 30 jours, un homme doit se séparer de sa femme, même si elle n'a pas encore eu ses règles, parce que de peur que c'est le jour où elle risque de voir. Chaque femme, selon son cycle, si c'est 32 jours, 33 jours, il y a plusieurs à la chôte, c'est assez complexe, là n'est pas notre propos. En tout cas, là on parle d'un homme qui était, en ce moment, il était avec sa femme. Et puis en plein milieu, en plein rapport, sa femme commence à devenir Nida. Alors là, maintenant, il y a une halakha spéciale. C'est que s'il se retire tout de suite, le simple fait de se retirer fait qu'il va y avoir un frottement, il va y avoir un profit. Et là, on n'a pas le droit de sortir de cette manière. Comment faut-il se conduire? C'est très compliqué, une halakha shalon et d'amamash. L'homme doit rester, doit s'agripper, il y a marqué, je ne sais pas exactement concrètement comment c'est possible. Mais en tout cas, il doit rester, ne plus bouger, jusqu'à que qu'il soit plein en érection et qu'il puisse se retirer ensuite, d'accord? Et qu'il se retire sans en profiter. Mais se retirer tel quel, il y a en cela une action, un profit, et c'est un profit interdit parce qu'elle est nida. Ça s'appelle qu'il va avoir un rapport. Au même titre qu'il n'a pas le droit de commencer, il n'a pas le droit aussi de sortir. D'accord? C'est ce que la Mishnah nous enseigne. Et le Bartholomew nous dit, « Vezoï mizvat assez chez banida. » Quelle est la mizvat assez à l'intérieur de la nida, qu'on retrouve chez une nida? Regardez, le Bartholomew nous explique le rapport de manière un petit peu plus... le rapport avec la Mishnah précédente. Chez Domé, les eaux chez Bamigdash. Un cas qui ressemble, il y a le même principe qui se retrouve avec le Bet Amigdash. Que quoi? Là-bas, on apprenait de quelqu'un qui est devenu impur à l'intérieur du Bet Amigdash. Et bien là, on va apprendre de quelqu'un qui est devenu impur à l'intérieur quand il est en plein rapport. Chez Ira lo Atuma, Misheba Beheter, l'Ideknissa. Qu'il a eu une Touma qui est survenue, Misheba Beheter, alors qu'il est venu de manière permise. L'idée Knissa, Misheba Beheter l'idée Knissa. Et il est venu Beheter de manière permise, en entrant. Il a pénétré de manière permise. Il a pénétré dans l'enceinte du Bet Amigdash, où il a commencé son rapport avec sa femme alors qu'elle était permise. Et Mishagigu Bet Din Beora'a, si le Bet Din s'est trompé dans cet enseignement, dans cette instruction, dans Beora'azo, dans cette instruction, Chayavin Alea Parelem Davar Shemtsibur. On sera passé d'apporter un Parelem Davar Shemtsibur. Quel est le cas? Haya Meshamesh Imateora. Il était en train d'avoir un rapport avec sa femme, Tehora, pure. Shinichnas Beheter, il est entré de manière permise. Ve'amralo nitmeti achshav. Et elle lui dit, oui, tout de suite, je viens d'avoir, elle a senti qu'elle a son cycle qui a démarré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Opiresh miyad bekoshi aever. Il s'est retiré tout de suite en érection. Chayav, il sera passible d'un korban khatat. Il n'avait pas le droit de sortir tel quel. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Ela yamod belodisha. Il devra se tenir tel quel belodisha, sans bouger, immobile. Ouais, il y a même marqué précisé dans la halakha, se décoller, si les corps sont, bien sûr, les corps sont sûrement collés, donc il faudra même se décoller complètement. Et là, il y a un mode belodisha, il devra rester tel quel sans bouger, se figer, ad sheyamut haever, jusqu'à, littéralement, jusqu'à que le membre va mourir, soit
qui va arrêter d'être un truc. Vei frosh belo koshi, et il se retira une fois qu'il ne sera plus en direction, donc il n'y aura plus de profit. Vezeu haase shebanida, et telle est la mitzvah assez du nida, que c'est déduit du pasouk vatehi nidata alav, afilu bishat nidata te alav. On déduit ça d'un pasouk que vatehi nidata alav, et sa nida sera sur elle. On apprend que même si elle devient nida pendant le rapport, et ben malgré tout, il y a un interdit de continuer à être avec elle, et il y a même un interdit donc de sortir, parce que chez Anaato, chez Yetziato, Anaalo, Kebiato, le fait de sortir est la même chose, et donne un profit au même titre que lorsqu'il pourrait entrer, de ce fait, comme ce qu'on a dit. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Selah.